I'm sorry.
Qu'il est très heureux d'être parmi nous. Il n'aurait jamais pensé que tellement de dévots se seraient rassemblés ici, en France, pour l'accueillir. If you have any questions, then to ask, you can ask because in classes, I'm giving my class from one side only and not hearing anything. So if you want to ask anything, at home only to help the devotees, those who have lost their faith in this Krishna consciousness due to blackness of some devotees or divinity or anything. My objective is help all the devotees without any cost, selfishness. Only to help. I don't want to self-interest. Maharaj est très heureux d'être parmi nous et je demande aux dévots s'il faut que je dois exprimer des questions à poser. Et pendant les classes, c'est lui qui donne la classe, mais il n'y a rien qui vient de notre côté puisqu'il parle et nous on l'entend. Mais il est venu en fait pour aider tout le monde, sans l'intérêt personnel, aider tous les dévots qui ont pu perdre la foi dans la conscience de Krishna, la foi dans leur autorité, par manque d'association, de par les dirigeants du mouvement ou autre chose. Maharaj vient sans aucune motivation personnelle, simplement pour tendre la main et aider si on veut accepter son aide et de toutes les façons dont il pourra nous aider. C'est les dévots qui veulent exprimer quelque chose. Yes, so my question is directly connected with what you just said. To what extent is it possible to recover according to the degree of your fall down, or what you can consider like a fall down? To what extent can you recover from the sickness? Dans quelle mesure on peut guérir, si je puis dire, d'une chute, si on peut appeler ça comme ça, comme on l'a fait longtemps. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour guérir, entre guillemets, et dans quelle mesure c'est possible de rattraper, entre guillemets, le temps perdu
possible to recover? Is it possible to recover, and according to the extent of fall down? One has been gone for a long time and he has fallen down. Now, is it possible to recover, and how to recover? Hence, we have to read Asham, India, or eastern part of India, with about 40 disciples of India. There's a loudspeaker in the corner you can use, maybe, in the back. So, we were going in very countryside. When we were passing through a village, a person which was so muddy because he was plowing. So much mud and everything was there on the village. Running, he came to our Gurudev and fell flat on the Lord's feet of our Gurudev. Gurudev asked him, "Who are you?" He told that, "I am your disciple. About 15 years before I took initiation from you. But now, due to my weakness, I left chanting, remembering, doing devotional sattism since about 15 years. Now I am taking flesh, fish, sometimes smoking, but now I am repenting. By my luck, you have come only far to take me out of all these things. I pray, Your Honor, that you should make me pure, and what should I do? You should tell me." Gurudev told that. Maharaj se rappelle qu'il y a très longtemps, il était en Assam, à l'état à l'est de l'Inde, avec un groupe d'une quarantaine de dévots, et son propre maître spirituel était en tournée de prédication. Et un jour, au milieu d'un village, il y a un paysan tout crotté, tout plein de boue, qui vient de passer la charrue, qui arrive, qui se prosterne au pied du maître spirituel. Et celui-ci lui demande: « Mais qui es-tu ?» Il dit: « Je suis votre disciple. J'ai reçu l'initiation de vous il y a très longtemps, il y a une quinzaine d'années, j'ai arrêté toutes mes pratiques dévotionnelles. À cause de ma faiblesse, je suis tombé, j'ai arrêté de chanter, finalement toutes les autres pratiques. Mais maintenant, je considère que c'est ma bonne fortune d'être venu en fait dans ce village juste pour me sauver, pour m'arracher à cela. Et je me brûle du feu, du repentir, c'est-à-dire: s'il vous plaît, acceptez-moi à nouveau et dites-moi ce que je dois faire pour le purifier. » Then Gurudev told him, "Go quickly and come tomorrow in morning. I'm going to this certain place. You should come to that place in morning." He did so. Next morning, we took him bath, he came. And so much repenting and waiting. He told that, "What should I do? Any sacrifice? Anything else?" Gurudev told that, "No need for all these things. You should chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. You should repent only, and your all sins will come through your tears. I chant this name. This is so strong and powerful. No, there is no other way, no other path, no other system, process to make anyone pure. So by this you will be very pure, nothing to do else. You should take again new bead bags if you have not." He told that, "I forget." So he get new and he money. Comes Manala in here, and he told his devotee, "Us, that make a
tilak on her head, his head. At once we did it, and Guru Dev told that if you should chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, he repeated it and he said, go. Have your yes here and promise that I will never take in my future life all these things. And I will never give up chanting. Never I will give up the lotus feet of Krishna. I will keep all these feet. He promised me to perform. But you have done everything is now pure and with impure yogis, strict very beautiful. Donc le disciple avait admis son maître spirituel, j'ai commencé à manger du poisson, même de la viande, et pas même que je fume. Et le gourou l'a relevé en lui disant, je vais à tel endroit pour un programme de prédication, viens demain et on se rencontrera. Le lendemain, il s'est levé, il a pris son bain, il est arrivé, propre, et il versait des larmes de repentir, donc il brûlait. Et à ce moment-là, le gourou lui a dit, tout ce qui est passé, c'est le passé. Simplement, à nouveau, il faut qu'il chante. Il leur donne à nouveau le mantra avec Krishna, il a demandé aux autres disciples également de lui leur donner un kantimala, il a demandé à ses disciples de faire du tilak, ils ont fait ça. Il lui a dit, tout ce que tu as pu faire avant, il faut simplement que tu te repentes. Si tu regrettes sincèrement tout ce que tu as fait, alors tous tes péchés vont partir avec tes larmes. C'est-à-dire qu'ils vont être lavés par les larmes du repentir. Et Maharaj dit, si quelqu'un est dans cette situation-là, il n'y a pas d'autre processus, pas d'autre moyen de méthode d'expiation que simplement ce chant du mantra avec Krishna, qui est tellement puissant qu'il peut annuler les conséquences de tous les actes coupables passés. Simplement, il faut se repentir, se regretter. Et le gourou lui avait dit, tire-toi les oreilles à toi-même et fais le vœu de ne plus jamais retourner dans cette activité et simplement de chanter sans jamais plus abandonner la voix et quitter les résolutifs de Krishna. Et tout ira bien pour toi. He promised like this and he became a very pure devotee for whole life. We know Jagai Madhai. Chaitanya Mahaprabhu touched him. Nityananda Prabhu saw them by merciful eyes. They are not to do any sacrifice nor any other means. Jagai Madhai bole, Aar Nare Ba. They promised that, oh, in future I will never touch any wine bottle. I will never go to any scene. I will always chant and remember Krishna. And he became pure. Nothing was done for him for purification. For Ajamil, he has done less and less committed offenses and so many sins and bad activities. He had nothing to do, sacrifice and anything. Om Narayana Namaha, Om Narayana Namaha. And this makes peace. If anyone chants single time Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Ram, this full Hare Krishna. In only once in a life, jump cannot come. But if he is fallen, no harm. But he should not fall. If he will willingly do all these things and see that, oh, by Harinam everything will be correct, then it is offense and he will not be go out. But I will never do all these things. I repent for this. Tears are coming. And I will never give up chanting Hari name and devotional service. And he is quite pure. He should be treated like a pure devotee. Donc le disciple a accepté de se repentir, fait ce vœu de ne plus jamais retomber. Et Maharaj dit, et il est devenu un très bon dévot, il est devenu un pur dévot toute sa vie. Il donne également l'exemple que nous connaissons tous, les Jagai Madhai, ils n'ont subi aucune méthode d'expiation particulière. Ils ont reçu le regard miséricordieux de Mahaprabhu, de Nityananda Prabhu, et ils ont simplement reçu l'instruction de ne plus jamais recommencer. Ils ont fait plus jamais on va toucher une bouteille de vin ou faire s'approcher des activités pécheresses.
On ne va jamais oublier le chant du mantra Hare Krishna et constamment s'absorber dedans. Anjami, lui aussi, il avait fait tellement la vie des pécheresses, mais le simple fait de chanter contre Maria, le péché ne pouvait même pas l'approcher. Alors c'était très bon pour ton péché. Hein. Simplement de chanter, il était au-delà du péché. Maharaj dit, si quelqu'un simplement chante, même une fois dans sa vie, ce mantra Hare Krishna, Yama ou ses messagers ne peuvent pas s'approcher de lui. Mais bien sûr, même si quelqu'un est déchu, bien sûr, quelqu'un ne devrait pas tomber, se garder de la chute. Parce que si quelqu'un pense, moi je peux faire ce que je veux, toutes les activités inertes que je veux, si j'ai une bonne méthode, ce chant du mantra, ça va purifier toutes mes actions, ça c'est une offense très grave. Et il ne sera pas délivré s'il pense comme ça. And Amit has left his chest wife, his children, his very religious-minded father and mother. And he has given everything. And he went to prostitute. He lost his characters. He had done so many murders. There was nothing to do, new thing. But yet, he kept the name of his son as Narayan. And at the time of giving this name, he took the Narayan. This only one name purified him forever. And other names became like practices. So, he had never to have any bad fruit from them. A devotee, not criticizing, not offending any Vaishnava, Krishna, devotion. He may fall down, but Krishna will never give up. He will give any chance that they should come. But offending is very serious. Krishna cannot hear and tolerate this. Donc, dans la vie, si un dévot donc se reprend après une chute et recommence l'activité dévotionnelle, reprend sa vie spirituelle, alors, Maharaj dit, on doit le considérer comme un pur dévot à nouveau, et le traiter comme un dévot, non pas comme quelqu'un qui est déchu. Si on prend l'exemple d'Adjamil, Adjamil menait une vie abominable, il n'y a pas un péché dans le livre, comme on dit, qu'il n'avait pas commis, il n'y avait pas de nouveau péché pour le commettre, il l'avait tous commis. Il avait fait tellement de meurtres, d'activités pécheresses, voler, tuer, bu. Aller voir les prostituées, manger de la viande, il n'y a pas de choses qu'il n'avait pas commises. Et pourtant, simplement par la pratique du chant du Saint-Nom, il s'est purifié ainsi. Maharaj dit, si quelqu'un tombe dans la conscience de Krishna, mais s'il n'offense pas ni Krishna ni les Vaishnavas, c'est pas blasphémer le gourou et Vaishnava et Krishna, alors même s'il est déchu, Krishna n'abandonnera pas. Maintenant, si quelqu'un s'engage sur la voie de l'offense, ça c'est une autre paire de manches, c'est autre chose. Maharaj va en parler maintenant. If one next offense, then it's a different story. Yes. If anyone doing offenses, like Vaishnava Aparadha, Chaitanya Mahaprabhu, even to his mother, the mother once told that Advaita Acharya, not Advaita, but he is Dvaita. Why? Because he made my son Vishwarupa. And he became sannyasi, he separated us. Now he is also wanting that my Vishan Gaur, Nimai, should be separated with. So he is not Advaita, he is Dvaita. Chaitanya Mahaprabhu, when he was going, giving Krishna came to all. Then Satyama wanted to take Krishna prema, but he refused to give it. I will not give Krishna prema to my mother, because he has offended in the Lord's feet of Advaita Acharya. Why she told like that? If she is going to him and asking pardon, that he excuse me, and if he is satisfied,
are you telling that? No, no. Forgiven. Then I will give them. So she went there to our Dvaita church. And he was waiting and begging his mercy. He at once was so satisfied and told that, no, no, I have forgiven everything. Then she returned and she said, oh, you have that thing, so I am excusing you and now I am giving Krishna. Shashima began to dance and singing Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. That was the Brahmin. Donc Maharaj dit, si par contre quelqu'un s'engage dans la voie de l'offense, surtout Vaishnava Parade, ça c'est très grave. Même Mahaprabhu, on peut voir dans cette vie-là, ne tolérait pas, ne pouvait pas tolérer cette attitude. Sa mère, par exemple, avait légèrement critiqué Advaita Acharya en disant, il est Advaita sans dualité. Et moi je dis qu'il n'est pas Advaita, il est Dvaita, il fait une dualité. Parce qu'il a voulu, il a inspiré mon fils Vishwarup à prendre sannyas, donc il nous a séparés. C'est plus un, c'est deux, donc c'est une dualité. Et maintenant, il veut que mon cher petit Nimai, lui aussi, prenne sannyas. Il veut faire une autre dualité. Donc, il n'est pas Advaita, il est Dvaita. Et alors que Mahaprabhu, un jour, distribue à tout le monde l'amour de Krishna, lorsque sa mère s'est présentée, l'union à toi, je ne te donne pas l'amour de Krishna, pas à Krishna prénom. Et il a expliqué, parce que tu as offensé avec un acharya. Moi, que tu n'ailles mendier la poussière de ses pétales de tu de te pardonner, je ne te donnerai jamais Krishna prénom. Alors, elle a été voir avec un acharya, lui a demandé pardon, et il était complètement satisfait, il dit bien sûr, aucun problème, et il est revenu, et lorsque Mahaprabhu lui a demandé, oh, maintenant tu t'es fait pardonner, maintenant tu peux prendre Krishna. Pas avant, même sa propre mère. Also there was a Brahmin who offended Haridas Thakur. And by his offendance, he has leprosy everywhere, and his nose went on in the leprosy, some worms and insect came here, and his face was so ugly, and he was going everywhere to leprosy. Mahaprabhu put it here. And Chaitanya Mahaprabhu took sannyas and returned to Navati. Then he came there and was weeping and he was weeping. But I have done so much so. Please be merciful to me. Mahaprabhu rejected it. You should have to go to Haridas Thakur. And if he is okay and he has forgiven you, then I otherwise no. You know also Durvasa Rishi. He offended Ambarish Maharaj. And Durvasa went to Narayan. But Narayan refused. I cannot do anything. You should go to again to Ambarish Maharaj. And if he is forgiving you, then I will do anything. I cannot check my Sudarshan Chakra. He will cut you if you are not going just now to Ambarish Maharaj. He at once went there and he fell flat on the good feet of Ambarish Maharaj. And then Ambarish Maharaj prayed to Chakra Sudarshan. Oh, this Brahmin is now in problem. You should excuse him. If I have done Hari Bhajan, so you should be pleased and go back. And then Chakrasudarshan. Then Durvasa told, oh, I have never seen a devotee like you. Man could not excuse me, but you have to. So, we should be very careful for this Vaishnava. Donc il y avait l'histoire d'un Brahman dans le Charitamrita qui avait offensé Haridas Thakur et qui a été attaqué à la suite de cela par la lèpre. Il avait le nez rongé par la lèpre et par les vers et tout son corps recouvert de lèpre. Et alors que Mahaprabhu, qui venait de prendre sannyas, revenait et passait sur la route, il s'est approché. Gémissant, pleurant, s'il vous plaît, donnez-moi miséricorde, et le mendier Mahaprabhu l'a rejeté complètement. Non,
Si tu veux être pardonné, tu vas à celui qui est offensé, Haridas Thakur. Si tu prends la poussière de ses pieds, à ce moment-là, tu pourras être pardonné. Et seulement lorsqu'il a fait cela, il a approché celui qui l'avait offensé, il a été pardonné. On a également l'histoire de Dura Shamuni, Dura Sharishi et Amarish Maharaj. Lorsqu'il avait offensé, on connaît le Bhagavatam, l'histoire, lorsqu'il a offensé Amarish Maharaj, aussitôt le Sulashan Chakra de Vishnu est venu. Il a eu beau prendre refuge en tout le monde, même en Vishnu. Vishnu lui a dit non. Je ne peux pas te donner refuge. Si tu ne prends pas refuge au pied de mon dévot en implorant son pardon, mon Sulashan Chakra va te découper. Et finalement, Dura Shamuni s'est approché. Ramarish Maharaj l'a supplié de lui pardonner de son offense. Et à ce moment-là, aussitôt, Ramarish Maharaj, dans sa grandeur d'âme, il a prié lui-même, sous l'archant chakra, « Oh, s'il vous plaît, arrêtez de tourmenter ce Brahman. » Et aussitôt, sous l'archant chakra s'est arrêté. Et à ce moment-là, Ramarish Maharaj a dit « Oh, jamais je n'ai vu un aussi grand dévot. » Donc ces offenses au Vaishnava sont les choses les pires sur la voie du système de dévotion. Et il faut les éviter à tout prix. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres personnes qui veulent exprimer quelque chose? Oui, j'aurais voulu que Maharaj parle un peu de sa relation avec le prophète, un peu relationnel, enfin, en gros. She's asking, can you speak something about your relationship with Prabhupada or Swami Maharaj? Yes. When you were together, something about it. They all want to hear it. Can you want to entendre ça? We met very early in 1947 in Calcutta. How many years before? 50 years. Exactly 50. Half a century. Oh. 50 years. You're speaking smaller. Maharaj dit donc qu'il a rencontré Prabhupada la première fois il y a 50 ans, en 1947 à Calcutta. Okay. He was quite young, energetic, and good devotee. She was friend of my Gurudev. Very good friend. My Gurudev was sannyasi, renounced order, and he was in Grihastha. Donc Maharaj se rappelle que Prabhupada était à ce moment-là très jeune, très enthousiaste, un dévot très très enthousiaste, débordant d'enthousiasme. Et lui, le maître spirituel de Maharaj, était des amis de cœur. À ce moment-là, Prabhupada était un grihastha et son gourou avait déjà pris sa nyasse. When he met with me, our Guruji, I served him. I gave him some fruits, some sweets, prasadam to him. And he became so much pleased to me. He asked me, from where you have left? Where you came? What is your name? He asked me so many questions. And hearing all this, he became so pleased. So from then, often he used to be, especially he used to come to our Gurudev. Gurudev made him the auditor general, general auditor. Above all editors, chief editor in Bengali magazine and also in Hindi magazine, to whom I was editor. He was a very good writer, very good. He also used to sing so much, very kirtan, and he was a learned person. He used to explain the slokas of Srimad Bhagavatam Gita with one word explaining, so anyone can understand. Donc Maharaj dit à l'époque, Prabhupada était un grihastha, lui un sannyasi, et la première rencontre au mat de son maître spirituel, il se rappelle qu'il a servi Prabhupada lorsqu'il est venu, on lui demandait Maharaj des fruits, et Prabhupada aussitôt s'est pris d'amitié pour lui, en lui demandant d'où il venait, en posant toutes sortes de questions, ils ont établi tout de suite une relation. Et après, plusieurs fois, Prabhupada venait à son mat, au mat de son mat spirituel, et ils échangeaient ainsi entre eux. Prabhupada, à l'époque, était très déterminé aussi à écrire, à tel point que son mat spirituel l'a fait éditeur en chef des magazines en hindi et en bengali, dont Maharaj, lui, avait été l'éditeur. Et Prabhupada écrivait beaucoup, il donnait des classes sur le,
son Bhagavatam et la Gita, en expliquant mot par mot, enfin, n'importe qui pouvait comprendre. Et il chantait aussi beaucoup, toujours engagé dans cette activité. At that time, he was manager of Bengal Thamikendal in Calcutta. And he was so intelligent. The owner of this factory wanted to make him the owner. But anyhow, he left that company. After some time, we met again in Mathura, about 55 or 56. Now, I requested him, why you are losing your time? You are so much qualified. Why you are not taking renounce order and preach everywhere in West? I know that you are so qualified. You are a great writer. You are a great philosopher, thinker, and by all round you are very pure devotee. So you should take sannyas and preach everywhere. Then he told a story to me. Donc à l'époque, Prabhupada était en charge, travaillait pour une grande usine pharmaceutique à Calcutta. Le propriétaire voulait lui léguer cette fabrique. Mais finalement, Prabhupada a quitté l'endroit. Et Maharaj dit, on s'est revu quelques années plus tard, en 55 ou 56, à Mathura. Et à ce moment-là, Maharaj avait déjà pris sannyas lui-même. Et il a dit à Prabhupada, vous êtes tellement qualifié, pourquoi est-ce que vous perdez votre temps? Vous savez tellement bien écrire, vous êtes un philosophe, un penseur. Si tous les aspects d'un pur dévot, pourquoi est-ce que vous ne prenez pas l'ordre du renoncement d'aller prêcher en Occident? Et à ce moment-là, Prabhupada lui a raconté une histoire. La story he told to me was that I took initiation from my Gurudev in about 23 or 22. No? 22. And I began to chant. I also began to read Srimad Bhagavatam. But I become upset when I read a slope in Srimad Bhagavatam. Yadajasya anugranani harishetat dhanam shanati. This is slope in Srimad Bhagavatam. Meaning of this slope, Krishna is telling that those who become my devotee, chanting my name, remembering my name. I take all his wealth, reputation, everything, and I make them street pay. So, I was fearing that if I'm becoming devotee, chanting, remembering, then I will have to be a street beggar. Then what to do? I will be separated from my wife and children. Then what to do? Oh, I was fearing. But I never forget to chant. Chanting, remembering, obeying my Prabhu, Gurudev, always. Writing some articles in back to them, to that time, Sajjan Toshini. I was doing so. I saw miracle that my job of manager of Bengal came suddenly. Oh, perhaps this is effect. Again he came to Allahabad and wanted to establish a new company, medicine company. And it was started very quickly and very in good way. But after 1 or 2 years it also fell. Then he managed a very good shop in Allahabad Prayag. But it was also fell. No means to make money. My wife told that, get out from house. This house is mine, not you. And children were unfavorable to my wife. So I lose my house.
Now I am really a state leader. And now you are telling that you should take renounce. Then I will lose everything. I have some affection for my children, for my wife. If I will make money, then they will come. But you are telling to take me renounce. What should I do? I told my Gurudeva that also this. He told, then he accepted this. Yes, I will take it. And he has written in his letter to me. Donc, Maharaj raconte, Prabhupada lui a raconté une petite histoire en disant j'ai pris initiation au monde spirituel en 1922 et j'ai commencé à chanter et à étudier. Et puis je suis tombé sur un verset de Bhagavatam qui m'a beaucoup dérangé. Il m'a vraiment beaucoup dérangé. Ce verset qui dit lorsque Krishna dit, lorsque j'accorde ma faveur à quelqu'un, je lui enlève tout ce qu'il a. Lorsque j'ai lu ce verset, j'ai commencé à penser que c'est très dangereux cette voix, parce que si je commence à chanter, rappeler Krishna, je retirerai tout ce que j'ai. Alors, je réussis à mon maître spirituel, je continue à chanter, mais et à me souvenir de Krishna, suivant ses ordres, mais j'avais un peu cette appréhension. Et effectivement, j'ai obtenu un très bon poste de directeur général d'une grosse fabrique, pharmaceutique à Calcutta, mais soudain, ce poste m'a été retiré. Après, j'ai été jusqu'à Allahabad, j'ai ouvert une nouvelle boîte de pharmacie, et au bout d'un ou deux ans, ça aussi, ça a échoué. Après, j'ai ouvert un magasin, très bon magasin, qui marchait très bien, ça a commencé très bien, ça marchait très bien. Et puis, en deux ans, tout était fini, j'ai tout perdu. À ce moment-là, ma femme m'a plus ou moins mis dehors de la maison, en disant, tiens, bon, rien, tu ne ramènes pas d'argent, va-t'en, cette maison, c'est pas à toi, c'est à moi. Mes enfants ont pris son parti, et maintenant... je suis vraiment un mendiant dans la rue, comme Krishna a dit, quelqu'un que je favorise, j'en fais de lui un mendiant, je le trouve tout. Donc maintenant tu me parles de prendre l'ordre du renoncement, il reste encore un peu d'affection de mes enfants, et j'ai aussi de l'affection de ma femme et mes enfants, mais si je prends l'ordre du renoncement, alors là je vais tout perdre. Et le maître spirituel de Maharaj était là aussi, mais là lui aussi, poussé par Prabhupada, non, mais tu dois prendre l'ordre du renoncement, et puis on prend pas la réception, donc oui. D'accord, je vais prendre l'ordre de Sannyas. I made bamboo sticks like a grinder. I made his cloth of Sannyas Shatran. I taught him how to take it here. I did sacrifice, fire sacrifice for him. And my Guru Dev gave money to him. He has so many relations with me. Bosom friend he was of me. He used to sing and I used to sing. He was very fond of my singing. At that time, young age, my voice was so sweet. All used to sing still, to tell me. So, I used to sing and he used to play on me. And he used to give classes in Mathura. So I was a bosom friend of him. I used sometimes to cook for him. Everything, arrangement for him. He used to, in night, he used to write, translate Srimad Bhagavatam. And from Mathura, three volumes of Srimad Bhagavatam were printed, published in Delhi. He was, at that time, he was making any easy journey to other planets. He was also translating Gita there. After that, I always used him to tell my Shikshagu. I did it like this, Shikshagu. Also, he has one relation that he took sannyas from my Gurudev. So he is my godbrother also. So there are three, four relations. When he took sannyas, I went with him to Delhi. He told me to come and help him. And in preaching, I was with him.
In Jhansi, I was with him. And when he went to America, he told me to manage his whole books. I should send it to New York. Narayan Maharaj et par le maître spirituel de Narayan Maharaj, Narayan Prabhupada a pris sa niasse, et c'est Narayan Maharaj qui a fait son danda, qui a pris les bambous pour faire le danda de Prabhupada, qui a fait le feu de sacrifice, qui a teint son habit de sannyas, et qui lui a appris à mettre un langui de sannyas. Et à la suite de ça, Prabhupada est resté un certain temps à Mathura, et il chantait. Prabhupada aimait beaucoup la façon dont Narayan Maharaj chantait. Il dit à l'époque, j'étais jeune, j'avais une jolie voix, tout le monde aimait bien ma voix. Alors on lui dit qu'on l'aime encore bien, sa voix maintenant, elle est toujours très belle. Et donc Prabhupada, lui, jouait le mridanga et Maharaj chantait. Ensuite, Prabhupada a commencé à écrire. C'est à Mathura qu'il a pratiquement rédigé ses trois premiers volumes du Srimad Bhagavatam. Également, il écrivait Antimatière et Éternité à cet endroit-là. Après, lorsque Prabhupada a été à Delhi, Maharaj a été prêché avec lui. Lorsqu'il a été prêché à Jhansi, Maharaj était également avec lui. Des fois, il cuisinait pour lui et il commençait à traiter Prabhupada comme son Sikh Shaguru. Et en même temps, ils avaient une relation un peu fraternelle puisque ils avaient pris sannyas du même maître spirituel, donc ils avaient une relation un peu de frère en Dieu. Maharaj dit, en fait, j'ai trois ou quatre relations comme ça particulière avec Prabhupada, comme frère en Dieu, comme Sikh Shaguru, comme un frère, etc. Et on était des amis de cœur, en fait. Je le considérais comme mon gourou, mais en même temps comme mon ami. Et lorsque Prabhupada est parti aux États-Unis, il a demandé à Narayan Maharaj de faire tous les arrangements pour lui envoyer des tas de choses sur tous ses livres. Et tous les livres qu'il voulait envoyer, il avait ses pièces de livres derrière lui, c'est Maharaj qui l'a envoyé à New York, au premier temple, la 26e avenue. I sent him all the books. I sent him all the books. They were in rotten condition, so dirty, that in making window and clear, I became sick. After that, I sent everything to him. Also, he used to give me letters, about 250 letters he sent from everywhere, that I'm doing so much preaching here, there. And he wanted to be sent mridanga, more kartals, deities of Radha Krishna and Gaur Nityananda Prabhu. And from Vrindavan, I used to send him all things. When he came first from America or Western country, I was the only one person devotee to attend at their home. And I with him, Kirtanananda was there, only Kirtanananda, a disciple. And he came to Vrindavan. I also went to Vrindavan with him, preaching here and there. After that, again he came, and he told that you should come with me in my preaching. He told repeatedly that I'm alone, you should come with me. I told that I could have come, but I'm serving my holy master, Gurudev, is in Mathura here. He will return to Navadvip, then I may come to you. So I will come. I want to come with you. But I could not come at that time. But now I know that the devotees' words are always true. So, better late than never. So I have obeyed his orders and I have come here. You should know that at the last time when he was so much sick, he called me. I went several times to him and I helped with my
wise. He was so much happy. But on last day, he was preparing to lift this sphere. Well, he called me especially. At that time, Kamal Krishna, Bhavananda, Brahmananda, and so many prominent figures went to Mathura and told me that Swamiji, at once he is reminding me and he is calling me. At once I left my old job and the evening I went there. He saw me and tears were coming. He took my hands in his hand. He wanted to take me on his own car, but I did pronounce to that car and told that I should be in lower to you. Then he called for told that to give him a chair. Then I sat on the chair. And he told, oh, Narayan Maharaj, forgive me that any offense I have did to you. Or any devotee, my God brothers. It may be that in preaching I have done some offenses. So you should forgive me. And tell my all God brothers kindly that they should forgive me. Please say that you have not done nothing. In preaching something is told, but it is not so offensive. So I think that you are pure devotees and you are very near and dear to Krishna. Then he told that I have collected so many disciples. He was used for his devotee that I have collected so many monkeys from Western country. I could not train them so well. I want that after my departure. You should learn something and help. I promise that, I'm promising that I will try to fulfill your all orders. For nothing gain, I will try to help them forever. Also he told that one thing I want from my heart, that if I give up my body, I'm requesting you to give me Samadhi with your own hand, with Vedic culture, because you are qualified for this. You can do this. So please do this. And my separation ceremony, departure festival. You should do with in your guidance. From the casting. I told that be sure that I will obey in all respect. There were so many prominent Deshakumar Swamiji, all were there. And all so many called brothers were also there. They were aged than me. They were learned than me. Like Bhat Maharaj and so many. But he told that, no, I want that you should give me in Samadhi. I accept. And next day with a big kirtan in Vrindavan, we get Samadhi. Maybe conscious and everything. Like Vaishnava Sampradaya, I gave him. And also I managed for his beautiful soul. And that is why I came to Western countries. Only to obey. Lorsque Maharaj était à Mathura, Prabhupada lui a demandé donc, de lui envoyer tous ses livres. Maharaj lui a envoyé tous ses livres. Ses livres qui étaient en mauvaise condition, qui commençaient à moisir dans la malle dans laquelle ils étaient. Maharaj se rappelle qu'il avait même tombé malade dans toute cette moisissure avec laquelle il devait traiter. Donc Prabhupada
Il a demandé, il a envoyé tous ses livres. Également, par la suite, papa lui a demandé régulièrement d'envoyer des mridangas, des kartals, des murtis. Et je l'envoyais régulièrement de Mathura. Lorsque papa est venu pour la première fois en Inde, d'Amérique, avec Kirtanananda, son premier disciple, Maharaj était le seul à l'accueillir à l'aéroport. Ils ont été ensemble à Vrindavan, ils sont restés quelques temps à prêcher ensemble. Et pendant toute sa ville prédication en Occident, papa a envoyé environ 250 lettres à Maharaj de tous les pays en lui disant « Voilà, je prêche ici, on fait ça, tant de dévots, tant de livres. » Donc, ils avaient une relation suivie pendant toutes ces années. Lorsque Prabhupada était dans ses derniers jours, il a appelé Maharaj à son chevet, la veille en fait de son départ, et il a envoyé ses disciples à Mathura, les dévots aînés, en lui demandant de venir, si vous voulez bien venir le voir. Maharaj est venu tout de suite au temple, et Prabhupada, en le voyant, lui a dit « Ah, Maharaj, avec des larmes aux yeux, il voulait s'asseoir sur le même lit dans lequel il était allongé. Maharaj voulait s'asseoir plus bas que lui, parce qu'il le considérait comme son gourou. Donc il a fait apporter une chaise, il s'est assis. Prabhupada lui a dit, j'ai amené, en Occident, j'ai ramassé tous ses disciples. Il a utilisé le mot singe en disant, j'ai collectionné tous ces singes ici, un peu partout dans le monde, mais ils ne sont pas très bien entraînés. Et une fois, je n'ai pas pu les entraîner tous personnellement. Une fois que je suis parti, s'il te plaît, aide-les autant que tu peux. » Et Maharaj s'est engagé, dit « Oui, je ferai ce que vous me direz dans la mesure de mes possibilités. » Déjà auparavant, je reviens en arrière parce que j'ai oublié, Maharaj avait demandé, plusieurs fois à Maharaj de venir avec lui prêcher en Occident. « Je suis tout seul, il faut que tu viennes avec moi. » Maharaj a dit « Oui, mon gourou, pour l'instant il y a la Badouine, quand il revient, j'irai avec toi. » Mais après, Maharaj a dit « Je n'ai jamais pu le faire, mais mieux vaut tard que jamais, maintenant je suis là. » Tellement d'années après, mais c'est pour obéir à cette instruction. Donc, Prabhupada lui a demandé de s'occuper de ses disciples. Également, il lui a dit, lorsque je vais quitter mon corps, s'il te plaît, mets-moi en samadhi, avec tous les rites Vaishnava védiques. Et Maharaj s'est engagé à faire ça. À l'époque, il y avait tellement de dévots aînés de Prabhupada, il y avait tellement de frères en Dieu également aînés, de Narayan Maharaj, qui était plus âgé, il était plus âgé que moi, plus érudit que moi, mais c'est à moi qu'il a quand même demandé de le mettre en samadhi. Et le lendemain, parce que Prabhupada a quitté son corps, on l'a mis en samadhi, on l'a fait dans tout Vrindavan, c'est moi qui supervisais le festival de disparition de Prabhupada. Et si maintenant je viens en Occident, c'est simplement pour obéir à sa requête, qu'il a réitéré plusieurs fois, à laquelle seulement maintenant j'ai pu accéder, de venir en Occident pour essayer d'aider. Prabhupada également a pris les mains de Maharaj en disant « Il y a une chose, il faut que tu me pardonnes toutes les offenses que j'ai pu faire à toi ou à d'autres de mes frères en Dieu. » Et Maharaj a répondu « Quelle offense vous avez faite, vous êtes un pur dévot. Parfois dans la prédication, on peut dire certaines choses, mais c'est pas pour la prédication, mais ça n'est pas considéré comme des offenses. Donc il n'y a aucune offense absolument à pardonner. Vous n'êtes pas du tout un offenseur, vous êtes notre... guide et vous êtes un pur démon. Après his departure, let us come along, and Prabhupada.